Et salut tout le monde, c'est Toxor les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, on se retrouve pour le let's play de Dead Rising 3, enfin, hein, ouais, c'est vrai que j'ai déjà dit pour Rise, mais là c'est vraiment enfin, c'est vrai que, encore une fois, ce jeu je l'attendais beaucoup, hein, un petit peu comme Rise, mais là peut-être même encore plus, vous voyez, peut-être même encore plus, donc on va tout de suite commencer, si vous le voulez bien, ce let's play, l'épisode numéro 1, donc plusieurs modes de jeu. Comme vous pouvez le constater, on va faire le mode un joueur, hein, qui me paraît relativement le mieux pour un let's play. On va pas faire du speedrun, on va faire de la détente, ni de l'extrême, ni du complétiste. D'ailleurs, je sais pas ce que c'est. On va faire du un joueur, comme ça personne ne peut rejoindre ma session. Je suis le seul maître à bord. Et je pense que c'est mieux pour un let's play. Allez, c'est parti les amis. Un joueur, c'est parti, let's go! J'ai trouvé un moyen de quitter la ville, où on est tous morts. Merde. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-dedans? Déjà. Bon, je vais faire taire les mauvaises langues tout de suite. Certes, ce n'est pas le plus beau jeu de la Xbox One, loin de là. Les graphismes, ils n'ont pas été vraiment, on va dire, c'est pas vraiment de la next-gen. Si, ça en est, mais voilà, ça reste quand même relativement pas super joli pour la next-gen. On va dire que c'est le bas de gamme de la next-gen. Par contre, c'est vrai que c'est un jeu ouvert, c'est un jeu immense. Donc c'est pour ça également que vous allez voir un petit peu d'aliasing, un petit peu de des petits soucis graphiques par-ci par-là. C'est pas bien grave parce que de toute façon, le principal c'est que ça ne lag pas, c'est que il n'y ait pas beaucoup de ralentissement, etc., etc. Donc voilà, j'ai mis les sous-titres, c'est très important. Donc on contrôle Nick Ramos, si mes souvenirs sont bons. Et là, il est pas en très très bon point, hein. Donc tutoriel je pense, au début, on va ramasser de la nourriture. Appuyez sur B pour ramasser l'objet à proximité.
Ok. Consommez-le en appuyant sur X. Ouh, se les met dans la tête carrément. Le mec, je sais pas comment il mange, mais s'il mange avec son front, franchement, il va pas y arriver. C'est moi qui vous le dis. Donc, on va faire un petit tour par-ci par-là. Bon, ça reste quand même beaucoup plus joli que les anciens Dead Rising qui étaient vachement très colorés. Assez cartoon, mine de rien. Ramasser et X. Ouh, c'est un bon petit hamburger là. Je vais devoir détruire ce truc. Grande clé. Hop. Donc pour ceux qui connaissent pas Dead Rising, c'est un jeu de zombies. Appuyez sur plus d'informations, on va faire ça. Donc c'est un jeu de zombies, les amis, qui en fait, c'est pas vraiment Resident Evil, c'est va être l'accent. C'est plus un jeu de zombies dans le style, bon, on va vraiment défourailler des zombies, l'histoire ça passe un peu après. Et on peut combiner beaucoup d'armes, c'est vraiment un jeu loufoque, un jeu super sympathique, il faut prendre au second degré. Dans la lignée des films de Romero sur les zombies, dans les tout premiers films de zombies. Bon, par contre, je vais essayer de désactiver Kinect parce que vous allez voir un truc assez souvent s'afficher. Kinect. Voilà. Commande prise manette. Je préfère avec la manette parce que sinon on va être un petit peu dans la hesse. Attirer zombies, non. On peut crier sur Kinect, on peut faire des trucs pour que Kinect puisse. Puisse donc attirer les zombies, on peut dire hey, je suis là et tout pour faire du bruit pour attirer les zombies sur nous. Bon, ça t'a un petit peu chaud de jouer avec Kinect, je pense. Quoique, je vais peut-être juste laisser Kinect pour attirer les zombies. Quoique, non, vu que je parle beaucoup, ça risque de les attirer trop souvent. Ça serait une erreur. Donc voilà, on pourra combiner des armes. Les armes sont détruisables, hein, elles ont une durée de vie. On va tout de suite attaquer la barrière. Donc ça c'était nouveau par contre, avant on pouvait pas attaquer les éléments du décor comme ça. C'était pas si dur. Allez, on se balade. C'est vrai que le jeu est quand même beaucoup plus sombre qu'avant. Hein. Ceux qui auraient connu les deux premiers, enfin les trois premiers même, parce qu'il y a eu un spin-off du 2. Planche en bois. Pour ramasser plusieurs objets, hop. On peut les lâcher également. Comment on fait pour changer d'arme par contre? D'accord, j'ai trouvé. Ça c'est... Oh. On reste de zombies, on peut même ramasser des palettes. Hein. Par contre, on peut pas les garder sur soi, les palettes. Hop, pour lancer, ok. Bon, bah écoute, on va avancer. Trouver des réserves. Ça, c'est de la bouffe, on prend, hein, évidemment. Vous pouvez vous en douter. Je sais pas combien de places. Oh, on est limité, ça serait. Donc, je vais garder ça, hop. Oh, on peut sauter carrément. Ah, il saute quand même beaucoup plus haut qu'avant, je trouve. D'accord. Il y a également un système de points d'expérience hein, dans Dead Rising. Je vais quand même rééquiper d'une clé à molette. C'est quand même beaucoup plus efficace en cas d'attaque de zombies. Hein, je pense. Ça sera plus efficace que. Ça sera plus efficace que. Que merde, j'ai pas de nom que de l'eau. Voilà. Et voilà. Attaque puissante, c'est jaune. Il n'y a pas l'air d'avoir grand monde, hein. Alors on va progresser. Un truc médical même. Ouh, on voit pas grand chose. Hein. Si ça s'ouvre, on est foutu. Allez, bah faut se sauver mon petit là. Voilà. Il y a vraiment du peuple. Regardez-moi tous les zombies qu'il y a là. Bon, pas tellement, mais en tout cas ils sont vraiment un sacré paquet, puis ils font un sacré boucan. Hein. Allez, on se barre. Sinon, on va se faire appeler Arthur si on reste par là. Ah ! Oh putain ! Oh, il m'a fait flipper ! Oh l'enfoiré ! Oh l'enfoiré ! Oh, le flip total ! Viens là, toi. Tiens, tiens !
Ah, cet enfoiré, comment il m'a fait flipper! Un truc de ouf! Eh ben, dis donc, ça commence très bien. Pot de peinture. Pour lancer de la peinture, c'est vrai que c'est marrant. Hache! Oh, hache, moi je prends. Hache, je prends. Voilà, c'est mieux, une hache quand même. Mieux que tout. Perceuse. On pourra combiner une perceuse plus tard. Des cartons. Une machette. Une machette, ça peut être intéressant. Contre quoi? Voilà, une torche, ça peut être utile. Je vais boire ça. Je prends une machette. Couteau de cuisine, ça peut être pas mal, mais je préfère la machette. Hein. Machette et hache, franchement, bon combo. C'est quoi ça? Porte-document. On peut le lancer. Oh, il était vivant. Ouh, il est vivant celui-là. Oh, il avait une arme carrément. Oh putain. Fusil à canon aussi. Vite, vite, fusil, fusil. Allez hop. Oh là, ils sont beaucoup là. Donc les armes dans ce jeu sont un petit peu limitées, hein, je tiens à le dire. Un seau, ok. J'ai lancé ma machette comme un con. Une fourche. Oh, c'est bon, ça c'est nickel une fourche. Ça. Écoute, viens par là toi. Tiens, ouh. Ah bah lui, ça l'a fait tout drôle à sa tête. Hop. Qu'est-ce que j'ai en plus là? Ok, fusil à pompe, ça peut être pas mal. Je vais quand même garder le fusil à pompe. Je vais ramasser la machette quand même. Voilà. Tiens, hop. Ah mais pourquoi ça... Attendez, je comprends pas. Il y a un truc que je comprends pas là. Faut qu'on m'explique un truc là. D'accord, ok. Hop, je me fourrais avec du zombie, hein, je vous dis direct. Hein, là, ça va. Oh, oh, elle a volé lui. D'accord, ça défouraille sec le zombie. Hein, c'est assez sanglant. Jeu interdit au moins de 18 ans. Tiens quand même à le rappeler, hein, parce que s'il y en a qui dirait ouais, c'est un peu violent quand même, hein, ce que tu nous montres, c'est interdit moins de 18 ans, donc on ne suis pas responsable de tout, les amis. Oh là là! Tire-toi carrément. Donc on a également un compteur de mort, hein, on peut le constater là, en haut à gauche. Ah, il va le bouffer lui aussi là, tiens. Il y en a un paquet de zombies, hein. On dirait plutôt fort. J'ai peur par contre que vous voyez peut-être pas assez bien. Donc on va peut-être rendre le jeu à peine plus lumineux. Tant pis si moi ça me gâche un peu la... Attends, non, je pense que c'est... Oh, ça, je pense que c'est trop lumineux par contre là. Je vais mettre star encore un coup. Paramètres. Graphisme, je pense que c'est un peu trop lumineux. Voilà, ça sera bien comme ça, je pense. Dites-le moi en tout cas, hein, si voir comment vous y trouvez. Pistolet tactique. On va le ramasser. Ça va être utile. Allez, on va les shooter. Hein. On les shoot ou on passe? On va essayer de passer en courant. On va faire de voiture en véhicule. On peut même ouvrir les coffres. Hein. C'est un truc de ouf. Voilà, on va pas non plus tous les tuer. Je vais essayer de lancer un pleutet. Un parpaing. Il y a un zombie par là. Elle là. Tiens. Ouf. Je vais péter le genou, je crois. Bon, pas sauter là. Oh, faut que je me barre. Ouf, faut que je me barre. Ouf, faut que je me barre. Je suis en danger. Dégage. C'est un snack. Ok, ça c'est quoi ça? Peau d'échappement, carrément. Un peu d'échappement, tout va bien. C'est quoi ça? Merde, y a pas de sortie. C'est condamné. Merde. Faut que je retourne au resto. Non ! Non !
Oh merde! Oh non! Non, non, non! Putain, non! Oh merde! Bordel de merde! Faut que je rejoigne les autres. Ça craint. Honnêtement, il est vraiment dans la hesse. Hein. C'est un petit peu la merde là. Maintenez LB pour sprinter. D'accord, ok. Oh là là, ça explose de partout. Il y a un Boeing qui s'est crashé. Oh, je monte sur les véhicules, hein. Je risque rien comme ça. Il y a un truc juste là, je crois, entre les deux véhicules. Une brique de jus d'orange. C'est toujours sympathique le jus d'orange. Ah, il y a Amy là, quand tu vas défoncer. Ah, je pense pas que tu puisses l'aider par contre, Amy là. Oh, il y a plein de survivants. Il est où? Il s'est barré? Ah, il s'est barré, on dirait. Ah, il est mort, simplement. Donc là, comme à chaque début de Dead Rising, on peut pas sauver tout le monde, c'est pas possible. Là, faut vraiment se barrer. En tout cas, franchement, là, début du jeu est très 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 épique. Hein. Vous avez pu constater que le crash carrément d'un avion, jamais vu quoi. Voilà, je prends feu. Il faut que je cours là. Je cours dans l'avion. Oh oui, ça c'est même plus qu'un bordel. Waouh, il y en a partout. Je m'échappe, je me barre. Rien à faire. Waouh. Tiens. Oh là 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 là, regardez ce nombre de zombies, les amis! Oh my god! Oh là là, si je tombe là, je suis foutu! Ouh! Oh là 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 là! Oh, on se prend un petit temps d'arrêt, mais regardez le nombre. Je vais me prendre ça pour bouffer. Oh, j'ai jeté mon flingue! Epic fail! J'ai jeté mon flingue, les amis. Je répète, j'ai jeté mon flingue. Oh là là, regardez le nombre de zombies qu'il y a. Hop, c'est quoi ça? Les assiettes. Un enjoliveur. Oh, bah ça a pas fait beaucoup de dégâts. Hein. En même temps, je m'attendais un peu. Là, c'est du rodéo là. Heureusement qu'il peut pas monter sur les bagnoles. Hein. Imaginez sinon. Allez, monte-moi. Barre-toi. Oh là 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 là. Allez. Hop, monte là-dessus. Et je fais comment pour monter moi là? Et je fais comment? Hein? On m'explique comment je fais pour monter là? Oh là là, ce bordel!
Il doit y avoir un chemin, je pense, là-bas. Je suis bien tenté d'essayer. J'ai jamais ramassé ça aussi. Oh putain, je suis en train de me faire cramer. Oh, c'est un camion UPS ou quoi ça? Allez, c'est parti, on va courir là. Dégage! Un pistolet. Ça peut toujours mieux qu'une hache. Allez, cours, 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 cours. Oh, c'est chaud. J'ai un point. Oh, j'ai un point de côté. Voilà, il est passé. Voir un truc sans alcool, tiens, ça peut toujours. Oh non, je l'ai janté. Ah, je me trompe de touche à chaque fois. C'est X. Il y a quoi là? Un tuyau. Un casque de chantier. Ça peut être sympathique, c'est un casque de chantier. Quoi aussi, il m'arrive une broutille. Allez, je vais ramasser ça. Voilà. On va boire l'eau. Et on va ramasser le pistolet. J'ai également une lampe torche, il me semble, hein, qui peut être pas mal utile. On va mettre ça. On va avancer avec la lampe torche. Ça fait vraiment. Zombie killed my wife. Les zombies ont tué ma femme. Ok. Par ici, j'entends. Oh putain. Oh, elle se casse la gueule. Oh, regardez, regardez. Allez, 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 allez. Mais bon sang, qu'est-ce que c'était que ça? Comme si on n'avait pas déjà assez de problèmes. Ça va, Nick? Salut, Annie. Je croyais que vous étiez mort. Vous avez trouvé quelque chose à bouffer ou un flingue? J'ai trouvé ça là-bas. Ça pourrait être utile. Il faut que je me tire d'ici. T'as de la famille à retrouver? Des parents? J'ai personne. Moi non plus. Eh, ça vaut mieux comme ça, parfois. C'était ta dernière? On est presque à court de tout. Tu vois? Si les gens comme toi s'étaient fait poser des puces comme des citoyens responsables, on serait pas dans ce merdier! Tous ces gens sont pistés par GPS. Ils sont prisonniers. Ils respectent juste la loi! Ces puces GPS contiennent du Zombrex. Elles empêchent les infectés de devenir des zombies. Bah, ça a pas l'air de marcher terrible. Regarde dehors. Oh, les illégaux, vous n'êtes que des emmerdes. Vous pourriez pas la fermer? Ils vont nous entendre! Je te conseille de te calmer, petit con. Du moment qu'ils sont dehors, inutile de s'inquiéter. Non, éteins ça, éteins ça! Oh non! Je ne veux pas mourir! Non! Non, non, maman, maman, ça va aller, d'accord? Promis, je laisserai personne te faire du mal. Oh, Peter, j'ai tellement peur! Oh, bon sang! Regardez celui-là! On a l'impression qu'il se souvient de sa vie d'avant! On va tous mourir ici! Non, maman, non! Ne sors surtout pas! Non! 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 Non, non. Hé, hey, mec! Non! 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 Aidez-moi! Non! Oh, putain! Ok, tout le monde! Préparez-vous à courir! Putain, où est-ce qu'on va aller? Dans mon garage, à Ingleton. Les murs sont épais, ça nous laissera le temps de réfléchir. La télé marchera peut-être. Je veux bien sortir d'ici, mais je vais pas dans ton garage. Il y a des gens qui m'attendent. Écoute, tu devrais venir avec nous. Eh ben, je vais prendre le risque. Annie! Nick! Les zombies vont débouler d'une minute à l'autre. Il faut faire quelque chose. On n'a rien pour les affronter. Toi, t'es bon pour le bricolage. Il y a plein de trucs qui traînent dans le coin. Je vais essayer de fabriquer un truc. Bon, c'est un peu la merde, hein. On va prendre une masse. On va prendre une scie en béton. Et on va combiner tout ça. RB. Ah, on peut direct combiner ici. Pas besoin de. Ah, c'est super ça. Attendez. Hop. Ah. Avec ça. Comment ça? Ça. Ok, c'est bon. Ah ouais, d'accord. Plus besoin de trucs pour combiner, quoi. De table et tout. On combine directement ici. Allez, c'est parti, on se barre. Ok, tout le monde. On doit partir par la porte de derrière. Il doit y avoir moins de zombies par là. Moins de zombies, ok, c'est parti. Oh my god. C'est parti, ça déchaîne.
pense qu'il faut défendre nos amis, ça me paraît assez logique. Faut faire attention à ne pas les blesser, hein. C'est vrai que ça peut être dommage, sinon... Bon, ils sont tous morts. Non, que reste-t-elle? Voilà, on peut normalement donner des armes également à nos copains. Allez, hop, je vais prendre ça. Tiens, donnez l'objet. Hop. Planche en bois. Tiens, prends ça. Et moi, je sors ma grosse arme. C'est parti. Allez, à part là, toi. Voilà. J'ai vu qu'il y avait de la bouffe par ici. Hop, une petite bière, une petite binouze. Allez. Oh là là, ça défouraille tout là. On gagne également, on gagne également des points de compétence. Oh oui. Donc on gagne des points de compétence, hein, qui enfin, des points de compétence. Non, on gagne donc des points d'expérience qui au fur et à mesure nous donnent des niveaux. Avec ces niveaux, donc on peut améliorer notre personnage. Par contre, ouais, il est bientôt terminé mon truc là. Ce serait peut-être temps que je le change. On peut voir là la barre d'usure qui de plus en plus. C'est même pas la barre d'usure, c'est carrément. Il clignote en rouge. Donc je pense que c'est vrai que là c'est quasiment la fin. Elle va se réveiller, c'est sûr. Non, elle se réveille pas, elle. Baisser la barrière. Voilà. Monter dans le véhicule, hein, ça pourrait être assez normal. Un bon petit 4x4. Oh mon dieu, regardez tout ce qu'il y a. Regardez tout ce qu'il y a. Oh mon dieu. Ah, ça pète. Oh, il y a du monde, hein. Le zombie est toujours un petit peu bebête, hein. Toujours un petit peu inerte. Oh, il y a des barils explosifs. C'est là où qu'on va. Je suis perdu. Ah, je pense que c'est par là. Oh, il s'accroche même au véhicule, c'est incroyable. Allez, c'est parti, on va forcer le passage là. Oh, regardez, il y en a qui sont sur le toit, carrément. Dégage. Ah, c'est super. Oh là là, il y a un sacré paquet de zombies. Allez, je passe là, moi. Oh, il y a un gars à sauver peut-être là. Allez, viens. Je vais pas venir. Je vais essayer de descendre pour voir si on peut le sauver. Allez, à part là, toi. Tu veux pas venir avec nous? Tu viens avec nous, toi, allez. Hein. Je suis là. Tu peux pas te parler? Non, tu veux pas? Bah écoute, on va te laisser dans la merde, hein. Allez, remontez. Le véhicule va bientôt t'endommager. Allez, c'est pas grave, hein. Lui, j'ai pas pu le sauver. J'ai pas voulu venir. Oh là, on peut pas passer là. Demi-tour. Oh, faut qu'on change de véhicule si ça continue, les amis, là. Il y a une fin tragique. Non loin, inspectez là, on va y aller. On va y aller à cette fin tragique. B pour sortir du véhicule. J'ai toujours un petit peu l'habitude de jouer à Gran Turismo, donc c'est pour ça que... À Grand Theft Auto, pardon. Qu'est-ce qu'il y a? Couteau de chasse. Mitrailleuse et fouillée. Fin tragique trouvée. Ce vol a été annulé. Oh là, regardez-moi ça. Alors, on a un véhicule. Go, go, go. Tous en véhicule, allez, allez, allez. Oh là là, 10 cartes, ça va déchirer. Allez, rends un véhicule là, bordel de merde.
Oh là là, faut qu'on sauve. Allez, une nouvelle casse là. Voiture de flic, j'espère qu'elle va tenir le choc. Oh, elle est pourrie. Eh ben, faut qu'on recourt alors. Allez, faut qu'on se barre là. Est-ce qu'elle est bonne ça? Non, les pneus sont crevés. Merde alors. Allez, allez, on se barre les amis là. Je suis touché. Je suis également un peu blessé. Oh là là, c'est un peu la merde. Hein. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi qui est bleu là? Il y a un plan qu'on va retrouver par là. Je vais la récupérer. Voilà. Ah, il y a un katana carrément. Une faux. Un katana. Je vais boire la bière. Je vais récupérer la faux. Et je vais essayer de créer donc le petit truc. Voilà. Ça pourrait être pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Faucheuse, carrément. C'est parti, on va essayer de sauver nos potes là qui sont en train de se faire défourailler derrière là. Voilà, au moins ça rigole pas, puis on gagne plus de pp en plus quand on tue des armes créées comme ça. On peut toujours essayer de les créer les armes de façon. Et hop. Je sais pas s'ils me suivent vraiment là, j'espère qu'ils me suivent. Hein. Allez toi. Ouf. Elle est très très puissante hein, cette arme là, je vous le dis. Et hop. Ouah, ça les coupe en deux quoi. Il y a une fin tragique également. Ah, level up. Pas mal ça. Oh, il y en a vraiment un paquet de zombies là. Allez, faut se barrer là. Dégage-toi. Allez, allez. J'ai vu également que j'avais... je sais pas ce que j'ai fait, sauvegarde. Ok, sauvegarde partie de VC, je crois. Dick, vous pouvez sauvegarder la progression du joueur. Oh, même un carton de Dick, d'accord, c'est pas mal ça. Donc là, on passe à connaître plein de trucs, hein, mais c'est tout à fait normal, rassurez-vous. Hein, on y retournera, c'est un jeu monde ouvert, on peut toujours revenir à n'importe quel moment... à certains trucs, les plans, etc. qu'on a passé. Oh, j'ai bien cru qu'on n'y arriverait jamais. Toute la ville est foutue. Et peut-être que tout le pays l'est aussi. Où est la police? Où est passée l'armée? On devrait être à l'abri ici. Tu ferais mieux de vérifier qu'il n'y en a plus un seul ici, ok? Plus un seul. Hé, hey, attends une minute. Ce type, il a une puce Zombrex GPS juste là. Hé. Mais ces puces de Zombrex sont censées empêcher les infectés de devenir des zombies. Et s'ils se transforment, ça permet de les suivre. C'est bien à ça que ça devait servir. C'est bon. Non, ça n'aurait jamais dû arriver. Rien de tout ça n'aurait dû arriver. On a besoin d'infos. Il faut découvrir ce qui se passe et savoir quand les secours vont arriver. Bordel! La télé déconne encore! Je vais devoir trifouiller ces câbles. Ça risque de me prendre quelques heures, Nick. Tu devrais regarder ce que tu peux trouver là-dedans. Mais sois prudent! Vous me voyez, non? Un peu d'aide? Vous êtes un flic? Je suis flic? Elle est bien bonne, celle-là. Je suis un agent d'organisme d'entretien. Sanitaire.
J'ai cru quand ce truc nous est tombé dessus. Je me suis enfermé dans une salle de surveillance. Ce truc civil anti-zombie, le ZDC. Ouais, un cadavre maintenait la porte ouverte. Alors, je me suis vite enfermé dedans. Je m'appelle Jamie Flint. Nick. Ouais, j'ai vu ta chemise, cow-boy. Alors voilà le topo. Je peux appeler personne d'autre que toi. Oh merde. Mais ça pourrait être pire, tu vois. J'ai un paquet de chips. Et tout un mur d'écran. Je commence à piger pour le système de défense des civils. C'est un truc de fou. Ouais, garde bien ce truc, vieux. Je te rappellerai si je vois des gens en vie qui ont besoin d'aide. Et puis, peut-être que tu pourras m'aider avec deux ou trois petits trucs, si ça te dérange pas, hein, bien sûr. Bon, écoute, les illégaux ont quelques jolis refuges en ville. Il y en a un au motel, au nord de ta position à Ingleton. C'est l'endroit parfait pour attendre que ça se tasse, tout ça. C'est bien aussi pour stocker des trucs. Alors, va jeter un coup d'œil et je te rappelle plus tard. Ok ? Bon, les amis, c'est pas que je vous aime pas, mais on va se laisser ici. Hein. On a enfin notre abri. Je sais pas si c'est le premier ou le deuxième. Enfin, voilà, le premier abri. Je sais pas si on va changer, je sais pas trop. On verra en fonction des épisodes. En tout cas, on a vu que les êtres humains avaient une puce sur eux qui leur fournissait du Zombrex pour pas se transformer. Mais a priori, c'est une grosse arnaque. Donc, j'espère qu'on va en savoir plus dans le prochain épisode. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Porte-toi bien. Allez, c'est tout le monde. Bye bye.